Ça y est, qu'on commence à voir le jardin se dessiner là, vous voyez. Il va y avoir un gabion avec une lame d'eau qui va se jeter dans la piscine. Et là, j'ai commencé à mettre le premier bois, le deuxième bois. Palier en bois là, un gabion en bois, un gabion et en bois. Et la hauteur là, on est bien, on est à 2,20 là-haut. Et comme la terrasse, elle viendra là. Non, ça va faire sympa. Ça va faire sympa. C'est quand même pas mal ces margelles là. Ouais. Regarde les joints là, ils ont bien séché. Regarde, c'est vraiment la même couleur. Hein? Pareil. C'est beau. Ça va être beau. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier bois. Et là, de fixer le deuxième. Vous voyez, tu fais les trous là comme ça. Et après, je viendrai mettre la tige filetée de l'autre côté avec ça. Et là, j'ai refait pareil avec la petite encoche et celui-là qui a l'encoche aussi là. Vous voyez, qui a l'encoche et qui viendra s'emboîter. Alors, t'as vu, ça penchait là comme ça là. Et ça faisait un effet bizarre et tout. Et moi, je vais tout redresser, tout faire un truc, un jardin carré quoi. Que là, ça faisait, je sais pas, ça fait trop bizarre, je trouve, la pente comme ça. J'aimais pas. Du coup, on a tout fait droit. Ça y est, on attaque du deuxième jour, donc de la terrasse bois. Vous voyez, donc là j'ai déjà tout tassé là, vous voyez, là, le petit doigt, là, ouais, là. Là j'ai déjà tout tassé et tout ça. Et là je vais vous montrer, donc comme il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour une vidéo de la terrasse, là vous voyez, donc là j'ai remis les carrés comme on avait dit. En fait, je voulais pas aller le tout en encontre. C'est un jour si on doit démonter ou enfin, je sais pas, pour une autre raison. Bien, collègue. Vous voyez, donc là, tout là. Et là, après, je viendrai mettre mes lambourdes. Donc, je vais faire un double lambourdage. Donc, c'est-à-dire un comme ça et un comme ça. Et là, comme j'ai mis les margelles, elles font 6 de haut. Alors ça plus la lambourde, ça fait trop, donc du coup je devrais les déligner pour qu'elle rentre là. Je vais vous montrer de toute façon comment je fais. C'est une petite technique. Ouais, la dernière viendra là et après toutes là on va les mettre là et les lames on va les mettre comme ça. Ouais, ça serait sympa. On va fixer. Je prends mon point donc, parce que moi je voulais que ça arrive à ras. Donc, du coup je mesure. Alors je mets la règle. Alors. Comme ça, et après je mesure combien il y a de là entre là et là. Bon, en l'occurrence, faut qu'il y ait entre 15 et 16 que les plots, moi je peux régler. Et après, tu vois, dès que là c'est atteint, et toi tu mets la règle là, tu la reçois un peu niveau. Et après, moi du coup, j'envoie la pente donc vers là-bas pour l'écoulement, et après, je tire la règle comme ça. Ça me fait une petite préparation sympa. Et après, avec les plots, ça viendra compenser. Là, c'est du 40-60. Là. Et j'ai juste à place. Juste à,
Bouge pas place, ouais. Juste place. Joue place. Et après, toi, tu viendras les régler comme ça, avec ça. Au moins, ça te rattrape un peu le niveau. Et après, je mettrai le Geo Textile. Là tu vois, je viens de tracer donc mes alignements pour la fin des lambourdes, et moi je mets toujours la dernière lambourde genre 2 ou 2,5 cm avant, au moins elle vient contre, et après tu vois il y en a une autre qui vient retomber, et au moins elle vient à fleur dessous là, tu vois, elle vient entre là et là, et au moins ça fait propre. Tu vois ce que je veux dire, genre là je l'arrête 2, 2,5 avant. Ça. Là j'ai tracé. Tu vois, j'ai mis un cordeau là. Tout le long aligné à l'intérieur des margelles. Et après je viens mesurer de là à là. Et au moins tu vois visuellement, alors les vis sont vraiment alignées avec le... C'est des petits détails ça, mais tu vois, ça fait au moins quand tu regardes là-bas. Genre les vis seront tous alignés genre dans la direction, et la lambourde ne sera pas comme ça, et genre la piscine quand tu vas regarder de loin, en fait moi c'est un effet de profondeur que je veux. Parce que tu vois ça, je l'ai aligné à l'extérieur, et les vis et tout. Tu vois, moi quand tu regarderas, ce sera des bandeaux et les vis, genre vraiment tout parallèle, enfin, pas, je sais pas si on peut parler ça de parallèle, mais genre tout aligné visuel, genre là comme ça, des rangées, genre ça fera strict, ça fera pas, quand tu vas regarder de là-bas, des vis comme ça, la pergola comme ça. Tu vois, tu mets juste un petit cordeau là à fleur, et après tu vas mesurer de là à là. Et de là à là, et de là à là, ici t'as pareil, moi j'ai 15. Puis voilà, et après. Et au moins après tu viens mesurer intérieur, intérieur, moi je mets 40. Et après je viendrai faire les autres jusqu'au bout. Et là tu vois, je fais un carré moi au début. Je mets les deux premiers, les deux derniers là. Je fais ça. Et après je regarde, après je mets le géotextile et les autres plots. Au moins ça me permet de jouer, de régler un peu si un endroit s'est monté ou... Et là tu vois, c'est le double lambourdage. Genre t'en mets un sur champ comme ça et un à plat. Et après tu viens visser, au moins il n'y a pas de problème. Et même si un plot au milieu vient bouger, comme c'est un ensemble, alors ça bouge jamais. C'est ça que c'est top. C'est le plus long, c'est le plus cher, mais c'est la meilleure méthode. Et moi du coup je fais tout le temps comme ça maintenant, moi j'ai jamais de problème. Et moi là tu terrasses dur en pouf. Et après tu vois, là où j'ai coupé, je vais mettre ça là. La bande bitumeuse de Joustaplast, encore Jouplast. Là, tu la mets dessous là où je viens de couper là. Là tu vois, j'ai fait des petites entailles et je la mets dessous. Au moins ça pourrit jamais. Là tu vois, tout arrive à fleur. C'est beau, c'est le résultat que je voulais, tout à fleur. Au moins tu peux courir, sauter, tu vois, sans taper l'orteil et fracturer un orteil, quoi. C'est ça. Là, tout est à ras. Allez, on continue. Là, tu vois, on finit. On va faire ce point de vue-là et ce point de vue-là. De la piscine, là, tu vois, c'est un bourde. Donc moi j'ai mis un cordeau, tu vois, de là à là, et après je viens juste prendre, tu vois, 2,5-3, parce qu'au moins genre la lame de terrasse elle va venir à fleur de là et la retomber légèrement à l'intérieur, au moins tu la vois pas, et au moins ça vient s'appuyer là, et là tu vois après juste à percer là. Là tu perces là, tu mets une cheville, et surtout moi ce que j'aime bien mettre c'est ça, tu vois, inox, tu vois, au bord de l'eau. Alors bon, ils sont deux fois plus chers, mais au moins au bord de l'eau, genre ça pourrit jamais, comme c'est l'inox, genre ça dure au moins tout le temps, parce que là tout le temps il va avoir de l'eau quoi, tout le monde va rentrer et sortir. Et tu vois là, comme là,
Et là au moins il n'y a pas de problème, il roule jamais, il pourrit jamais. Ça va un peu plus cher mais ça vaut le coup, tu sais, dans la durée au moins. Moi j'aime bien faire des trucs pas revenir dans 5 ans ou 6 ans. Je veux que ça soit clean. Tu vois, après, je vais faire ça pour toutes. Jusqu'à là-bas. Tu vois, et après. Alors là, ce que je voulais, c'est que ça vienne vraiment à fleur, tu vois. Il n'y ait pas de démarcation. Et là, c'est nickel. Ça vient bien à fleur. Tu vois, tout est. Au moins, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Et là, tu vois, tu pourras t'asseoir là. Là, je viendrai poncer un peu la lame. Le début pour l'arrondir un peu. Et puis voilà. Là, tu vois, j'ai mis la bâche, j'aurais plus qu'à visser. Après j'ai vissé elle dans elle. Voilà. Ça prend son temps.